Et salut Moussaillon, on se retrouve aujourd'hui pour faire le résumé de la 10e semaine. C'est tout simplement du jamais vu sur Rendez-vous Globe et sur Virtua Regatta. Ça y est, on connaît enfin le nom du vainqueur. Et bienvenue dans le grand temps. En haut du grand bas, les voiles vous diront vers quel pays souffle le vent. Tanta claridad, espantada por el miedo. Tanta lucidez, y aquí estoy otra vez. Tanto caminar pa' volver donde partí. Tanta la necesidad de morir. Il est bloqué dans une zone sans vent et il voit derrière lui tous les bateaux qui le rattrapent. Donc pour l'instant, notamment Charlie Zalin, Thomas Royan et Damien Seguin. Les réseaux sociaux, parce que la flotte de tête est très active sur les réseaux sociaux, il y avait un petit peu deux camps. Le camp qui avait choisi l'option nord et le camp qui avait choisi l'option est. Donc l'option est, c'est l'option proche des Açores. Bon, sur le papier, l'option nord était plus performante, mais il y a beaucoup de gens qui ont choisi l'option est en espérant faire un petit peu un coup de poker. Et donc la flotte de tête s'est scindée en deux. Et finalement, c'est l'option nord qui s'est avérée payante. Et c'est bien eux qui sont arrivés en tête. De course lointaine en étoile polaire. Et le premier se nomme Tigrouille 2620. Et regardons la trajectoire de sa dernière semaine. Cette trajectoire est en blanc jusqu'à notre départ est en rose. Par exemple, si je rejoins ma semaine, vous avez peut-être remarqué que j'ai perdu à peu près 1,70 mètres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une sorte de Yannick Vestaven, mais en largement pire et pour mon cas, c'était largement évitable. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de suivre une dépression qui m'a amené très proche du coup qui brise. Et on peut ensuite aller voir le classement des équipes. En fait, sur le classement là, il peut encore un peu bouger parce que tout le monde n'est pas encore arrivé. Mais pour l'instant, en première place, on retrouve Team Act et Raphaël. Ensuite, en deuxième place, on retrouve Torque et Sport. Et pour compléter le podium, on retrouve Estacy. Et je vous dis bon vent, amusez-vous bien. Ciao, ciao.